Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'ouverture numéro 7. Donc je vais ouvrir mon calendrier de After 8. Le 7, il est juste ici. Donc j'ai mon petit chocolat. Donc celui-là, il a l'air d'être très très fin. Ensuite, eh bien, je vais ouvrir celui-ci. Donc le 7 est juste ici. Hop. Je pense que c'est du thé du coup. Ah non, ce n'est pas du thé. C'est des... Alors, moi, j'ai pas l'appareil qui va avec. C'est des embouts blancs comme ceci pour l'encre. Alors, moi, je n'ai pas l'appareil Laetitia, donc ça ira pas sur les miens. Mais je les garde de côté. En plus, ils sont vachement épais. Ils sont très, très bombés. Donc, voilà pour la petite case. Je vais ouvrir donc la petite boîte, prendre la petite carte correspondante. Voilà. Donc c'est celle-ci avec le petit hibou. Et l'indice, c'est on en utilise énormément. Donc moi, je pensais à une colle. Donc on va bien voir ce que c'est. Donc je vais déjà enlever la petite étiquette. Hop. Et on va ouvrir ensemble. Donc il y a un petit ruban. Hop. Et pour moi, c'est de la colle. Et je dirais de la Tacky Glue. Et c'est ça. Donc c'est de la colle de chez Craftelier. Alors je ne l'ai jamais testée, celle de chez Craftelier. Donc ça sera la première fois que je vais utiliser cette colle. Donc. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez qu'elle est plutôt pas mal. Mais en tout cas, moi, je vais pouvoir la tester. Donc, merci beaucoup, Laetitia. Et je vais ouvrir donc un petit sachet supplémentaire. Donc, ça, c'est les petits plus. Donc, à toucher, c'est très, très dur. Une magnette, peut-être? À coller sur le frigo ou je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. Hop. Et oui, c'est ça, c'est une petite magnette. Oh, c'est trop mignon! Oh, c'est trop mignon! C'est marqué Joyeux Noël, copine géniale. C'est trop mignon! Je sais pas où t'as eu ça, mais c'est trop chou. Oh, c'est trop mignon! J'adore! Oh, je kiffe. Je sais pas où je vais le mettre, mais je sais que je vais le mettre en visuel, ça c'est sûr. Donc merci beaucoup, Laetitia.